Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode PGC. On est déjà sur le cinquième, une série qui vous plaît toujours autant. Merci à vous et qui me plaît toujours autant parce que j'adore bien sûr la géographie, étant donné que je suis le spécialiste des villes de France et des paysages français. Bien sûr, toujours apprendre au second degré. C'est parti pour ce nouvel épisode où nous partons toujours en ville de France. C'est parti comme d'habitude. Ok, on commence sur une 4 voies, c'est pas terrible. Angers-Loire, suivre Paris, ok. On connaît dans le coin d'Angers, quoi. Je vois là-bas, sortie, Saint-Sylvain. Alors là, ce qui serait bien, c'est d'essayer de trouver où est-ce qu'on est, sans bouger de la 4 voies. Donc là, on voit qu'on a une sortie à pas loin, pour Saint-Sylvain, de quelque chose, là. Donc on est soit à cette sortie. Alors on est sur l'autoroute, là? Non, on n'est pas sur l'autoroute, si. On est sur la A87. Si, on est sur une autoroute, A87. Donc on est là. Il y a juste un pont simple et il n'y a pas une boucle comme ça. Il n'y a pas la boucle comme ça. Donc on n'est pas là. On est sur la A87 et bien on n'est pas là. On serait là, oui, encore. Ouais, on serait là. Ouais, on est là. On est là, on est là. On est là et puis la sortie ensuite plus loin. C'est pour là, ok. Je pense qu'on est là. Je pense qu'on est là. Allez, on guess. 23 mètres. Putain, du coup, 23 mètres, mais merde! Un point en moins déjà dès le début, putain! Bon, bah tant pis. Bon, deuxième round. Je joue un 0,5 là. Ouais, ça peut nous indiquer déjà. On est dans le sud. Dans le sud-ouest. 0,2,98. Ah bah non, du coup, bah non. Tout à l'heure, j'ai vu un 0,5, je suis pas débile. Bon, bah on est dans l'ouest. Parfait. Ok, c'est écrit en breton, donc on est en Bretagne. Alors, j'ai envie de le call. Mais, je vais le call. Sans aller regarder les panneaux qu'il y a forcément dessus. Plougastel. Voilà, c'est bien ce que je pensais, bien évidemment. Hein. Plougastel. Voilà, c'est ça. Voilà, je pensais bien à Brest, évidemment. Ouais, parce que c'est énorme. C'est très, très grand, Brest. Ok, donc là, c'est le quartier de l'Europe. Là, on a rue Générale. Rue du 8 mai, je pense. Et rue Générale Paulet. Paulet, là, 8 mai 45. Rue du 8 mai 45, qui doit forcément croiser au bout d'un moment la rue Générale Paulet, donc on vient de par là. Donc on est dans ces rues-là, hein, par là, à peu près. Oui, on était là. Allez, yes. 12 mètres. Là, c'est vraiment un coup de chat, je suis tombé dessus. Ok, nickel. Bon, troisième round, on est au centre-ville d'une ville. Voilà. Très cohérent, je suis un diapris, bravo. On va voir si on peut tomber déjà sur un numéro de téléphone qui nous indique à peu près le coin 04, on est dans le sud-est. On s'enseigne, coiffeur, un con, bon on a plusieurs 04, on est bien dans le 04, enfin dans le 04, niveau du téléphone bien évidemment, pas du département. Est-ce qu'on peut voir déjà dans quelle rue nous sommes? Avenue de la Libération, donc nous sommes dans une avenue. Ok, là on nous indique des panneaux verts, j'aime les panneaux verts, mais pas tellement les panneaux verts. Clermont-Ferrand, centre, le centre est... Donc on serait par là. Attends, avenue de la Libération, j'ai bien vu. Elle est là, mais elle fait pas du tout un nord-est. Elle fait pas du tout un est-ouest. Ah, pourtant je suis pas débile, c'est bien est-ouest là. Est-ouest, ou ouest-est, tout dépend dans le sens où vous lisez. Avenue de la Libération, ok. Boulevard Jean Jaurès, ok, voilà donc. C'est moi qui me gourais, mais en même temps, leur panneau, il est mis dans le mauvais sens. Là, t'as l'impression, en fait, que c'est celle-là, l'avenue de la Libération. Alors que non, en fait, c'est celle-là. Ok, donc ça, c'est le boulevard Jean Jaurès. Donc, faut trouver le croisement entre l'avenue de la Libération et le boulevard Jean Jaurès. Genre ici. Et on était devant le CT automatique, enfin, le contrôle technique automatique, je suis con. Pas loin. Ok, donc on est un peu plus loin, genre là. Là. Yes. 28 mètres, mais non, mais nique ta mère! Bon, quatrième round. On va pas rager plus longtemps. De toute façon, déjà de base, les 25 000, c'était niqué. Un numéro de téléphone, parfait. C'est où? 04, encore. Attendez. Chambre de commerce d'industrie de Moulin-Vichy. Alors, là, il y a Moulin. Et là, il y a Vichy. Donc, je vais mettre entre les deux. Le temps de confirmer. Si je suis à Moulin, ouais, Vichy. Là, on est sûr hein, qu'on est dans le bon département. D'ailleurs, Moulin, du coup, c'est l'Allier. Je me gourre pas. Allez, je zoome directement sur la chambre de commerce. Directement. Perdu. Mais chambre de commerce, je pense que ça serait plus du coup dans
dans la ville de préfecture que sous-préfecture, parce que je pense que Vichy, c'est la sous-préfecture de l'Allier, et que, bien sûr, Boulins est la préfecture de l'Allier. La pizzeria d'un caméo. Un duc blanc, bien évidemment. Même dans GeoGuessr, on en voit partout des ducs. Cours Jean Jaurès. Cours Jean Jaurès. J'ai pas vu un truc Jean Jaurès passer par là. Le cours Jean Jaurès. Si, cours Jean Jaurès. Donc, oui, on est bien par là. Chambre de commerce et d'industrie. Ok, elle a dit qu'il est là, mais en fait, on est là. On est là. Je vais me gourer, tu vois. 6 mètres. Non, ça va. Ok. Ok. Allez, dernier round pour finir. Si on peut avoir les 24 998 points. Ça ne pourrait pas le pire score, parce que je vous rappelle que pour le deuxième épisode, on s'est tapé 300 mètres de différence et que du coup, on s'est bien fait niquer à Saint-Etienne. Je retiens, je me rappelle que c'est Saint-Etienne. C'est là. Parce qu'on serait à... Du coup, on est à Oyonnax. Oh, regardez la belle plaque. Pas du tout. Regardez, on voit bien des 74. Vous voyez, regardez, là, on est tombé sur un bon débilos de chez Google. Là, elle est mal floutée. Là-bas, on voit clairement que c'est 74. Encore un juke. Rue Gabriel Forêt. Là, on est probablement sur un grand boulevard dont on n'aura pas le nom. Ah, si. Avenue de la Plaine. Avenue de la Plaine qui fait un nord-sud, à peu près. Avenue de la Plaine, ok. Avenue de la Plaine, c'est nickel. Rue Gabriel Forêt. Rue Gabriel Forêt. Rue de Morette. On serait là. Devant ce bâtiment. Oui, parce qu'il y a un truc là. Donc oui, on serait là. Là. Hop, guess. 8 mètres, c'est parfait. Bon, ce petit épisode, c'était chaud. Hein. Maintenant, c'était vraiment les problèmes des distanciations. Un peu. Parce que on s'est pas mal gouré sur à perdre un point ici, un point là. Ou alors, faut vraiment faire gaffe et être très très minutieux à chaque détail. Et ça, c'est très très long. Pendant cet épisode, on est tombé à Brest, à Angers, on est tombé du coup à Moulins, à Clermont-Ferrand et à Annecy. Et on aura fait du coup 24 998 points, c'est quand même pas pire que le deuxième épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode numéro 5 sur GeoGuessr, enfin sur l'épisode surtout PGC, bien sûr, vous aura plu. Bon, j'ai moins été du coup spécialiste des villes de France pendant cet épisode, mais bien sûr, ça va continuer à se réentraîner encore et encore et encore, et du coup, redevenir spécialiste des villes de France et des paysages français. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. N'hésitez pas aussi non plus à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour être notifié des futurs épisodes de PGC si cette série vous plaît. Du coup, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.